Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où on va parler des jeux Explore It et notamment du volume 3 de Sands of Shurax. Explore It, c'est un système de jeu en fait qui regroupe plusieurs jeux qui sont tous des jeux indépendants mais qui sont compatibles, tout à fait mélangeables entre eux. Et ce sont des jeux de type land crawling en coopération, matinée de jeux de rôle. Alors, il y a quatre volumes sortis à ce jour. Le premier, c'est The Valley of the Dead King qui va vous faire arpenter une sorte de zone marécageuse avec un roi mort-vivant à vos trousses. Le second, c'est la forêt of Arid Mon, je crois. Le troisième, The Sands of Shurax. Et le quatrième volume, qui a fait l'objet d'une récente campagne de financement participatif, c'est The Domain of Misra Noctis. Et pour ceux qui seraient intéressés par ce jeu, après ou avant les vidéos, si vous souhaitez l'acquérir, eh bien je vous conseille de vous connecter rapidement sur le site de GameFound. J'essaierai de ne pas oublier de mettre le lien dans la description, puisque vous pourrez participer au Late Pledge et pour financer, en fait, pour acquérir le dernier volume ou n'importe lequel des trois précédents. Avec une livraison pour juin 2022, si je ne m'abuse, mais c'est surtout que vous pourrez toucher des jeux au prix unitaire de 60$, donc environ 55€ chacun, au lieu de 100 à 110€ comme on peut les trouver dans les boutiques de jeux en ligne en France. Voilà. Donc, Explore It, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu dans lequel chaque joueur va créer son personnage qu'il va faire évoluer tout au long de l'aventure. Et vous allez pouvoir accomplir plein d'actions selon votre choix. Alors, à savoir que tous les personnages se déplacent en un seul groupe, en fait, sur la carte. Et vous pourrez donc faire plein d'actions en fonction des lieux dans lesquels vous allez aller, camper, accomplir des missions, faire des activités spéciales dans les villes, prendre des... Alors pour The Sands of Shurax, prendre des caravanes, faire des rencontres, etc., découvrir des lieux uniques, etc. Bref, comme un vrai scénario de jeu de rôle, vous aurez une multitude de choix et de possibilités, avec quand même toujours en épée de Damoclès un grand ennemi qui vous collera au basque et que vous serez amené très vraisemblablement à affronter à un moment ou à un autre, en espérant que vous soyez suffisamment puissant pour cela. Alors je vais montrer un petit peu, puisque j'avais fait une mise en place, pour présenter un petit peu cette carte qui peut, ce plateau de jeu qui peut sembler un peu énigmatique. Nous avons en haut et en bas deux barres, en fait, où il y a des rappels de petits éléments, et là où vous allez poser du matériel, notamment les cartes, des decks de cartes, et qui vont servir de points de limite, en fait, pour la zone centrale à explorer. Donc cette zone-là va être constituée de tuiles hexagonales que l'on va révéler au fur et à mesure de notre exploration, de façon à constituer le territoire. Et nous avons quatre cadrans sur les côtés qui sont indépendants les uns des autres et qui sont indépendants de la zone centrale, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas, en fait, directement communiquer de la zone centrale sur l'un des cadrans. On verra ça un petit peu plus tard, mais voilà, ce sont des zones dans lesquelles vous allez pouvoir également évoluer, mais qui sont indépendantes, qui sont des zones qui sont plus éloignées. La première chose à faire, c'est la création de votre personnage. Alors pour cela, vous allez choisir en fait une race et une classe de personnage. Alors ici, même si on est dans un univers un peu héroïque fantasy, on est très loin des archétypes du genre, c'est-à-dire que même si ils sont potentiellement créable, vous n'allez pas avoir un elfe archer, un humain guerrier, une magicienne de feu, un prêtre nain, enfin voilà, les archétypes du genre ne sont pas au rendez-vous. Vous avez tout un tas de races disponibles et tout un tas de classes, dont beaucoup qui sont très originales. Et il faut savoir que ces races de personnages et ces classes de personnages sont
totalement compatible d'une boîte avec l'autre. Donc vous avez, je crois, notamment dans la première boîte, énormément de races disponibles et de classes. Peut-être un petit peu moins dans les boîtes suivantes, mais vous avez là pour Sands of Shurax, le volume 3, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 races possible et une bonne dizaine de classes de personnages. Alors ces races, ben, comme je vous disais, nous avons les êtres, les Vulcains qui sont des sortes de créatures des volcans, les Fororans, les Dryades, les natifs des dunes, les hommes serpents, les demi-orques, Nemsinès. Alors c'est vrai que des fois, bon, c'est un peu le pendant de l'originalité, les races sont originales, mais vous n'avez pas au verso un dessin pour vous représenter un petit peu ce que c'est. On a un demi-djinn, une sylphide, les tariens, les hobgoblins et les mutants. Donc vous voyez, on a quand même du choix et du choix assez original. Et vous allez choisir une classe, alors une race. Alors la race, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, vous avez le nom de la race. Chaque race a un type d'opposant favori. Alors les opposants favoris, c'est quand vous rencontrerez des ennemis avec ce mot-clé, eh bien, vous aurez droit à des dégâts supplémentaires qui sont non défendables, en fait, des sortes de dégâts automatiques. Et elles ont un petit pouvoir chacune qui est rappelé en bas de carte. Et elles ont des modificateurs sur vos statistiques de classe, puisqu'on va voir qu'une classe de personnage va définir vos valeurs pour les différentes compétences et qui vont être modifiées en fonction de votre race et son niveau de nourriture, c'est-à-dire le montant de ration dont elle a besoin pour se nourrir, pour ne pas mourir de faim. Une fois que vous avez sélectionné votre race, vous allez sélectionner votre classe de personnage. Les classes de personnages, il y en a, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous avez 11 classes de personnages différentes. Alors là, en revanche, vous avez un dessin au verso. On a le commandant. Alors, elles sont différentes, hein. Pareil pour chaque boîte de jeu, en fait, hein. Donc là, c'est celles qui sont dans la boîte Sands of Shurax. Vous en avez d'autres totalement différentes dans chacune des autres boîtes. Le gladiateur, le marchand, le templier, le défiliste, c'est une sorte de druide, en fait, on va dire, qui tire le pouvoir de la nature, le psioniste, le joueur, le derviche, et le... non, c'est pas le derviche, c'est le maître des fouets, et le derviche duelliste, l'assassin et l'artificier. Alors, ce sont des plateaux en carton épais et qui sont en surface Velleda. En fait, vous allez utiliser un marqueur Velleda avec la petite brosse pour effacer, qui sont fournis, hein. Il y en a 5, 6, je crois, qui sont fournis dans le jeu, 6 ou 8, je sais plus, qui sont fournis dans la boîte. Et on va remplir nos différentes caractéristiques. Alors, une classe de personnage, qu'est-ce qu'on a? On a le nom de la classe, une petite phrase pour déterminer un peu l'esprit, on va dire, phrase fétiche, l'esprit de la classe. Vous avez en haut un petit bandeau qui vous indique le type de classe. Donc ça, c'est pour faire déjà une présélection. Là, c'est assist, donc c'est un personnage de soutien. Vous avez l'assassin qui est un personnage utilitaire. Vous avez le derviche duelliste, c'est un striker, c'est-à-dire un combattant. Et je crois que la dernière... Non, il y a deux autres classes, c'est le debuffer, en fait, le sapeur. Et vous avez le healer. Donc là, on retrouve un petit peu les builds classiques des jeux sur PC. Celui qui va tanker, celui qui va servir de DPS, celui qui va soigner, celui qui va soutenir, celui qui va buffer et celui qui va débuffer. Donc sur un plateau qui va être votre plateau joueur en fait principal, sur votre plateau de personnage, vous avez donc le nom de la classe, la petite phrase d'accroche, la nature de cette classe et vous avez toutes ces caractéristiques. Alors les caractéristiques sont réparties en trois types. Vous avez les caractéristiques vitales qui vont regrouper la santé et l'énergie. Avec ici, vous mettrez votre valeur actuelle, votre valeur maximale dans l'hexagone. Vous mettrez votre valeur actuelle sur le côté si vous perdez des points de vie. Vous avez des petites cases pour noter si vous êtes sous régénération ou pas. Et vous avez un petit hexagone, un chiffre dans un petit hexagone gris en haut qui va montrer votre valeur de départ. Nous avons ici les capacités, donc vous avez l'attaque principale, la défense et les deux capacités spéciales. Et en bas les compétences avec la navigation, l'exploration et la survie. Ici vous mettrez votre nom, ici vous noterez votre opposant favori, donc qui est déterminé au départ
par votre classe de personnage, mais vous pourrez acquérir d'autres opposants favoris. Vous avez au milieu la description de chacune de vos capacités spéciales, avec un petit récap, par exemple, si le laser grip, l'accroche en fait du fouet, ça vous indique tout un tas d'éléments, comme quoi au niveau 5 vous déclenchez des effets, au niveau 8 aussi, ça influe sur votre capacité d'attaque et sur votre capacité de secondaire. Et vous allez mettre les chiffres ici, par exemple, pour effet, c'est deux fois votre attaque de base, etc. Donc vous allez noter en récapitulatif pour pas avoir à refaire le calcul à chaque fois. Vous avez ici le backpack, c'est-à-dire le sac à dos. Alors, il n'y a pas de carte d'équipement. Donc, quand vous allez acheter des objets, il n'y en a pas énormément. Mais quand vous allez acheter des objets, vous allez les noter en fait ici. Il faudra vous référer sur les plateaux de marché pour voir à quoi ça correspond plus en détail. C'est un point que je trouve positif quand même dans le jeu. C'est-à-dire qu'on n'est pas étouffé sous tout un tas de matériel souvent inutile. Alors là, on n'a pas 36 milliards de cartes d'équipement, il n'y a pas 36 000 figurines pour tous les ennemis. Non, on a une figurine qui représente le groupe, une qui représente l'antagoniste, et votre némésis en gros, et c'est tout. Et après, pour les objets, ben, vous les notez, comme dans un jeu de rôle classique sur table, hein, vous notez votre équipement. Là, vous allez noter votre or, et ici, on a une jauge de nourriture où vous mettrez le nombre de rations que vous avez et éventuellement les niveaux de starvation, c'est-à-dire si vous êtes affamé, les différents niveaux que vous atteignez. Donc ça, c'est votre plateau et vous allez le remplir en fait en inscrivant les valeurs de départ qui sont inscrites en haut à gauche, modifiées par la fiche, les caractéristiques de votre race en fait. Donc par exemple ici, je démarrerai normalement, si je mets mon pouce devant on verra rien, je devrais démarrer à 2 et je vois que j'ai pas de modificateur d'attaque, donc je vais démarrer à 2. En défense, je démarre à 2, mais j'ai un plus 2 de bonus de race, donc je démarre à 4. Ici, je démarre à 2. Est-ce que j'ai un modificateur? Non, ni sur la compétence suivante. Donc, je vais mettre les valeurs de départ, 2 et 3. Modification de compétence, j'ai plus 2 en navigation. Je démarre à 2, donc je suis à 4. En exploration, j'ai un plus 2 de par la race. Comme je démarrais à 1, j'ai 3. Et en survie, j'ai pas de modificateur. Donc, je mets le chiffre de base, 1. Ma race me permet d'avoir plus 1 en santé et plus 2 en énergie, donc je vais passer de 5 à 6 et de 6 à 8. Voilà, là j'ai rempli mes caractéristiques modifiées par ma race en fait. J'ai un niveau de nourriture de 2, donc je vais le noter. La nourriture c'est très important, ça va indiquer combien de rations vous consommez quand vous ratez vos tests de survie. Alors avec un 1 en survie, je vais en rater beaucoup. Et aussi ça sert par rapport à la taille, c'est-à-dire que plus vous consommez de nourriture, généralement plus vous êtes imposant en taille, et donc je crois que il y a un demi-géant ou un géant dans une des boîtes, et je crois qu'il a 6 en niveau de nourriture, et souvent le food rating est une valeur qui est utilisée pour déterminer la cible de l'attaque des ennemis. On ne peut porter que 5 fois son niveau de food rating en ration, donc c'est pour ça que vous avez une échelle avec marqué rating 1, rating 2, rating 3, rating 4. Moi je suis à rating 2 et on démarre avec 3 fois notre niveau de ration, donc je démarre avec 6 rations. On démarre avec 10 pièces d'or, hop, sachant qu'on a le droit de dépenser ces pièces d'or de suite. Alors, pas pour acheter de l'équipement, mais pour upgrader votre personnage. Et vous voyez que chacun des hexagones où il y a des compétences a au-dessus un petit anneau, en fait, sur lequel il y a des chiffres et des crans, vous voyez, ici. Et donc, ça indique le coût en or pour faire évoluer. Alors, comme la survie, c'est très important, moi, je vais dépenser 3, donc je vais rayer ici, pour faire plus 1 en survie. Et comme j'ai coché le premier cran, je vais également noircir le second, c'était 4. Donc 4 et 3, 7 pour bénéficier d'un plus 2 en survie et passer à 3. J'ai une valeur de combat qui est un peu faible, donc oui, mais il me reste que 3 et c'est 4 pour ouvrir le premier cran. Donc je vais plutôt préférer de payer 2 ici, puisque c'est un peu moins cher pour augmenter la vie,
pour gagner plus 1 en santé et passer à 7. Et du coup, il ne me reste qu'une pièce d'or. Voilà, chaque joueur va créer son personnage de cette façon. Alors, je lui ai pas mis de nom, c'est... du coup, j'ai changé la plaque, en fait, je me rends compte. Là, c'est le Whip Master, un Drian Whip Master. Et ben, on va l'appeler Usul, hop, puisqu'on est dans le désert. Et en faveur opponent, donc, ce sont les créatures. Voilà, chaque joueur va construire son personnage de cette façon et vous allez former un seul et unique groupe qui est représenté par une figurine, donc qui va démarrer sur l'une des deux barres d'action du plateau, donc soit ici, soit ici, et on va évoluer tous ensemble. Alors il y a un personnage dans cette boîte-là qui est le marchand qui peut splitter en fait, c'est-à-dire qui peut se déplacer indépendamment du groupe. Vous avez des règles aussi du coup qui vous permettent, si vous voulez éclater votre groupe, donc dans ce cas-là il vous faudra autant de figurines, si vous voulez explorer un peu dans tous les sens, mais très franchement ça n'est pas conseillé, puisque sinon vous allez vous retrouver seul face à des rencontres où vous êtes plusieurs joueurs, et du coup, vous risquez d'être pénalisé. Et de même, il y a plusieurs tests qui demandent à ce que la réussite soit calculée par rapport à la majorité, enfin au nombre, il faut au moins qu'il y ait la moitié du groupe qui ait réussi le test, par exemple, de navigation. Donc, l'objectif principal, normalement, c'est de rester groupé, quoi. Comment on va jouer à The Sands of Shurax, plus généralement au jeu Explore It, on va le voir au fur et à mesure des vidéos. Comment se termine le jeu, comment on déclenche la fin de partie? Eh bien, sur chacun des cadrans, nous avons dans un petit hexagone orange l'une des quatre cités de Shurax, qui sont connues comme les joyaux de Shurax, et qui chacune dispose en fait d'un plateau, comme ça, avec tout un tas d'actions spéciales qu'on pourra faire dans ces villes. On pourra s'entraîner, on pourra combattre dans l'arène, on pourra travailler, on pourra aller au marché. Voilà, il y a tout un tas de choses à faire. Et chaque cité, en fait, va nous proposer une condition de victoire. Alors, on n'est pas obligé d'aller dans la cité pour la faire, mais il y a plusieurs conditions de victoire. Vous pouvez, du coup, être amené à tuer le Ravageur, qui est en fait un ver des sables géant qui va popper toujours à vos basques, comme je vous disais, sur le plateau de jeu, et qui en plus va détruire les cases sur lesquelles il apparaît. Vous avez la possibilité donc d'aller sur sa case ou qui pop sur la vôtre pour aller l'affronter et le vaincre. Vous avez également la possibilité, pour gagner, de soumettre le Ravageur, c'est-à-dire de le combattre, mais non pas pour amener ses points de vie à zéro, mais pour amener son énergie et sa valeur de nuée, en fait, c'est-à-dire toutes les petites créatures qu'il y a avec lui, à zéro, et ainsi le dompter. Vous avez, en troisième possibilité de victoire, gagné, accumulé 100 platines, en fait. Alors les platines, c'est 100, une platine, c'est 100 pièces d'or, vous avez vu, on démarrait avec 10, donc c'est quand même assez chaud à obtenir. Accumuler 100 platines pour pouvoir engager une armée qui s'occupera de vaincre le Ravageur pour vous. Ou bien, dernière condition de victoire que j'aime beaucoup parce qu'elle est assez originale, c'est vous pouvez aller dans la ville de Tari, qui est l'une des quatre cités, donc qui est située sur le cadran. Je sais plus où elle est, c'est la 3, elle est ici. Hop. Combattre dans l'arène mortelle, parce que chaque fois que vous serez dans une ville, vous pourrez faire des combats en arène. Si vous tombez à zéro en vie ou en énergie, c'est pas grave, mais à Tari, en revanche, quand vous tombez à zéro, si vous mourrez dans l'arène, vous êtes mort tout court dans le jeu. Donc vous pourrez en fait vous combattre dans l'arène spéciale de Tari, et quand vous aurez atteint un certain niveau de renommée, en fait, eh bien, vous devrez aller affronter, en fait, un boss qui est sur le plateau. Donc, les boss, ils sont situés sur des zones comme ça. Il y a un crâne avec un hexagone rouge tout autour. Il y a un numéro. Le boss numéro 1, c'est le plus faible. Sachant qu'il n'est pas faible, faible, hein, mais c'est le plus faible d'entre tous. Le 9, c'est le plus badass, si on ne compte pas, bien sûr, le Ravageur. Et là, il vous faudra aller vaincre le boss niveau 8. Et ensuite, il vous faudra ramasser des cristaux, en fait, puisque chaque fois que le Ravageur va apparaître, comme je vous ai dit, il va détruire en fait
une zone de la carte et il va laisser des petits cristaux. C'est un peu comme les pistes dans Dune. Je ne sais pas si c'est le caca du ver des sables ou si c'est le sable qui a vitrifié. Mais vous allez pouvoir récupérer ces cristaux, les ramener au boss de la cité et lui, en échange, il va vous donner des artefacts qu'il vous faudra placer sur chacune des trois autres cités de façon à ce que le ravageur aille s'y pointer et une fois qu'il aura détruit les trois autres cités, à ce moment-là, vous aurez gagné. Bon, c'est un petit peu particulier comme condition de victoire, mais c'est assez sympa et original à faire. Voilà, en attendant, tant que vous ne déclenchez pas l'une de ces conditions de victoire, eh bien, vous allez continuer à explorer la carte et à accomplir différentes missions pour vous stuffer et surtout, en fait, pour augmenter en capacité. On a vu que sur notre plateau de personnages, on pouvait acheter avec de l'or des augmentations de caractéristiques, de valeurs, mais vous allez surtout, en fait, en accomplissant des missions ou en allant recueillir des cristaux du ravageur, vous allez récolter en accomplissant aussi des jobs ou en escortant des caravanes, vous allez gagner ces cartes power-up et ces cartes-là vont vous permettre d'augmenter à foison, à gogo, vos différentes caractéristiques. Bon, alors des fois vous allez choper des mutations, mais c'est surtout avec ces cartes-là que votre personnage va devenir de plus en plus puissant. Une partie de Explore It, c'est assez long. Moi, je n'ai joué qu'en solo pour l'instant. Je pense que le jeu peut... Alors, je pense que c'est très axé solo, hein. Un peu comme ma vision de Mage Knight. C'est très axé solo. Vous pouvez y jouer à deux, éventuellement à trois, si vous avez vraiment le temps et que vous connaissez bien les règles, parce qu'il y a beaucoup de petites règles. Mais je vous déconseille quand même d'y jouer à plus de trois, quatre, cinq ou six. Ça va vous plomber un week-end, quoi. Sachant que moi, dans les parties solo, généralement, j'ai mis entre 4 et 6 heures à peu près par partie. Ça n'est pas vraiment sauvegardable, c'est-à-dire que vous êtes obligé un peu de laisser le jeu en place. Alors si vous avez la place pour le laisser et y revenir après, tant mieux, mais si c'est pas le cas, c'est un peu compliqué. Mais il faut compter 4 à 6 heures. Alors il y a des fois, ça peut tourner court très vite parce que vous allez tomber sur des rencontres qui sont clairement trop puissantes pour vous, vous allez jouer de malchance, vous allez rater tous vos tests parce que vous avez vraiment des caractéristiques de départ moisies, et la partie va tourner court, vous allez mourir. Bon, ça arrive, moi ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver, ça peut être frustrant, mais dans ce cas-là, vous relancez une partie, je veux dire, la mise en place, une fois que vous avez installé ça, il suffit de battre 3 paquets de cartes et de recréer un perso et vous repartez à l'aventure, quoi. Mais généralement, ouais, il faut compter quand même 4 à 6 heures. Moi, j'ai mis un peu plus de 6 heures pour ma première partie parce que j'ai fait quand même pas mal d'allers-retours dans les règles pour vérifier. Je me suis rendu compte a posteriori aussi que j'avais fait quelques erreurs. C'est normal, ça vous arrivera aussi. J'ai mis à peu près 4 heures pour la partie que j'ai gagnée en affrontant le ravageur, même si je pense que j'ai un petit peu plié les règles, pas à ma volonté, mais à mon avantage. Mais voilà, c'est un jeu quand même qui prend du temps, et en même temps, c'est un jeu où vous verrez pas vraiment le temps passer, parce que les tours vont s'enchaîner, et vous allez passer une expérience très agréable. Si vous êtes branché RPG, enfin côté jeu de rôle, vous allez vous régaler là-dessus. Voilà, c'était une petite présentation du matériel, des personnages et du jeu en général. On va voir dans les prochaines vidéos comment en fait on applique les règles, puisque je vais expliquer au fur et à mesure que je vais faire le déroulement de la partie. Je vous expliquerai comment on joue et comment ça fonctionne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et moi je vous dis à très bientôt.